Get in the shit down. Présenter en quelques mots pour les gens qui n'ont pas suivi ta première interview. Humbert Chabuel, je signe sous le nom de Hub depuis 2005 une série qui s'appelle Oko, de bande dessinée, qui mettait en situation un ronin dans un univers de japonais médiéval. Fantastique. Je vis sur Lyon, j'ai 50 ans. Et donc il me reste à peine 150 ans encore à vivre. Le temps va vite. Alors pour parler de ce nouveau livre, qui effectivement il sort le 20 novembre, il va s'appeler donc... le titre c'est Le Serpent et la Lance, ce sera un triptyque. Et le 20 novembre sort le premier album, 180 pages, donc grosse pagination. Très différent de ce que je faisais justement auparavant sur Oko, où c'était des albums de 46, voire 62 pages pour la suite, donc 180 pages. Si je devais le pitcher, je dirais, si je devais rétrécir le concept à sa plus simple expression, je dirais que c'est un thriller aztèque. Un polar noir qui se passe à l'époque des Aztèques, avant l'arrivée des conquistadors. Voilà, ça m'a demandé du temps pour me plonger dans cette nouvelle civilisation. Et du temps pour exécuter les planches, les penser, les conceptualiser, les dessiner, les mettre en couleur. Donc enfin, j'en suis débarrassé. Alors le mot, il ne faut pas prendre le côté péjoratif du mot et le côté négatif, mais j'ai fini le premier album, c'est mieux. Et je suis sur le point d'attaquer le second, dans la foulée. Alors voilà, quelques illustrations. La plupart... ont servi pour illustrer le carnet graphique et faire des couvertures originales pour un tirage de tête de Bruno Graf qui va sortir en plus de l'album officiel. Donc cette première couverture met en situation deux des principaux protagonistes de l'histoire, à savoir le personnage central Oi Lance, qui est un Pocheka, c'est-à-dire un marchand de plumes. Pocheka, c'était un marchand qui arpentait les quatre coins du monde unique, c'est-à-dire l'Empire aztèque. Mais en l'occurrence, il est expert dans les plumes, c'est un plumacier. Et comme les voyages étaient souvent sur ces routes, c'était dangereux, il est accompagné d'un acolyte qui s'appelle Longue Jambe. Voilà. Personnage plus taiseux, qui parle peu et... Et là, cette jeune fille s'appelle Cinq Fleurs. Alors là, je n'en parlerai pas parce que c'est un personnage qui vient se greffer dans l'histoire un peu plus tard. Et je préfère pour l'instant ne pas trop en parler. Ah, là, c'est un dessin que j'ai fait pour un ex-libris qui va sortir pour les BD Fugue Café. Et là, c'était juste un petit dessin comme ça pour m'amuser. C'est la seule fois où je le ferai, sans doute, ce dessin. C'est mes deux héros. C'est la passation entre Oko et le Serpent à la Lance. C'est mes deux protagonistes qui se toisent. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Ils se regardent de façon un peu suspecte. Voilà, c'est un petit dessin. Je l'ai mis en couleur après. Voilà, donc... Ça, c'est des codex que je réalise pour mes pages de chapitre. Car ce sont des pages de chapitre. Il y a pas mal de pages de chapitres dans l'album, ça je veux dire. Une autre couverture pour qui servira aussi d'ex libris pour toujours Bruno Graf. On retrouve mes deux personnages principaux, la fille Cinq Fleurs et un chihuahua. On la retrouve encore ici, la fameuse Cinq Fleurs, dont je ne veux pas trop parler. Donc là, elle est assise sur une divinité aztèque et au pied... Le chihuahua en question. Voilà. Je vais devenir un spécialiste des chihuahuas. Un dessin de classe. Une photo de classe. À savoir... Oi Lance, jeune. Là, il n'y a pas une longue jambe, mais Oi Lance, jeune, au sein de la cour d'école, avec les principaux protagonistes qui vont revenir petit à petit dans le récit.
À cet âge-là ou à l'âge adulte, voilà. Et donc serpent, son principal adversaire dans la vie. Enfin, au début, on a l'impression. Et je finirai donc par ce dessin que j'avais réalisé pour Angoulême, pour la première fois qu'on présentait le serpent à la lance, et j'avais voulu faire ce dessin pour faire un petit visuel en couleur, pour présenter lors de la présentation du projet pour la première fois aux spécialistes, aux libraires. Et finalement, après réflexion, c'est devenu la couverture définitive. Voilà. Donc là, on voit justement comment le visuel avec la couleur est devenu la couverture. Donc, tu as travaillé combien de temps pour ce premier album? Du premier jour jusqu'au dernier jour? Impossible à quantifier. Je serais incapable de te répondre à cette question. Je dirais que j'ai travaillé bien avant que je finisse Oko. Je l'avais dans un coin de ma tête. Et l'idée germait lentement. Lorsque je suis parti au Japon, j'ai écrit les trois albums, donc les 500 pages. Là, j'en ai écrit, pour l'instant, j'en ai dessiné que les 180 premières. Mais donc, comme mon histoire constitue à peu près 500 pages, au Japon, j'ai écrit d'un bloc les trois, ce triptyque. Même si je reviens et que j'affine petit à petit, mais j'avais besoin, surtout dans un polar, de connaître la fin pour voir si ça valait le coup, si la fin me semblait digne d'intérêt, parce que là, ça va être quand même quelque chose d'important, il faut qu'il y ait une apothéose. Et j'ai toujours besoin en plus de connaître la fin. Donc après, réellement la réalisation, je dirais deux ans et demi, je pense à peu près 2 ans et demi, en sachant que je me suis aussi pas mal, pas égaré, mais je me suis aussi pas mal consacré à un jeu de plateau qui s'appelle Oko Chronicle, qui est sorti en même temps, et j'ai fait énormément de dessins en même temps. Donc ce qui me rassure, ce qui me fait dire que pour les prochains albums, si j'arrive à bien me canaliser, je devrais pouvoir les faire dans un temps raisonnable, pour pas qu'on attende trop longtemps. D'accord. Voilà. C'est tout le mal que je me souhaite, hein, le premier, parce que je veux pas non plus passer trop de temps non plus. Voilà. C'est important d'avancer, quoi. On en parlait tout à l'heure. C'est bien d'avancer, de pas tout le temps recommencer les choses. Il faut pas chercher la perfection, quoi. Il faut essayer une fois qu'on a l'impression de tenir quelque chose d'à peu près convenable, d'intéressant, de cohérent, il faut le décliner, il ne faut pas recommencer sans arrêt en se disant voir tout le temps les imperfections. Il y en aura toujours des imperfections. Mais l'imperfection, c'est ce qui fait le charme aussi de quelque chose. Si on enlève toutes les imperfections, quelque chose devient insipide. Donc, voilà. Maintenant, j'avance. Avec les imperfections et les qualités à côté. Voilà. Et en espérant que ce mariage soit heureux. Alors, l'histoire, j'ai envie de dire, pour essayer de la situer. Comme je disais auparavant, elle se situe 50 ans avant l'arrivée des conquistadors. Parce que déjà, je voulais complètement dissocier la civilisation aztèque du côté européen. Et donc, ça se passe en 1450. Et je travaille sur... ce qui m'a amusé lorsque j'ai conçu ce polar, c'était de jouer sur un paradoxe. C'est-à-dire, ce paradoxe consiste... le pouvoir, petit à petit, commence à retrouver des momies aux quatre coins du monde unique. Le monde unique, c'était l'Empire aztèque. Des momies de filles qui ont été, de jeunes filles qui ont été kidnappées, enlevées quelques mois auparavant. Et le grand paradoxe consiste que ce pouvoir qui, lui, autorise à ces grands prêtres, pour des raisons religieuses et pour faire tourner le monde, suivant leur conception du monde, à sacrifier des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, commence à s'affoler par rapport à ces momies qu'il retrouve. C'est une poignée de momies, parce que ce n'est pas eux qui, justement, maîtrisent ces morts. Donc, ce qui m'amusait, c'était justement de travailler sur ce paradoxe-là. Cette montagne de morts
où là tout va bien parce que c'est sous le contrôle du pouvoir, et une poignée de momies où là, mais qu'est-ce qui se passe? On a peur que le peuple, lui, s'effraie parce que ça, c'est pas sous le contrôle du pouvoir aztèque. Donc cette idée-là m'a assez amusé. Et la deuxième idée qui m'amusait pas mal sur ce concept de polar, c'était que les Aztèques étaient démunis de toute police. Et que donc, justement, ils n'avaient pas de police. Les intérieurs, il n'y avait pas de porte. On rentrait très facilement chez les gens, chez les individus. Et donc, imaginez une série de meurtres très sombres, avec essayer de trouver des gens qui puissent avoir les facultés pour pouvoir mener une enquête, sans même parfois mettre les mots sur tueur en série ou genre de choses. Ça m'amusait beaucoup. Alors effectivement, mon album sort pour une date anniversaire que je considère un peu triste par rapport à l'histoire du monde. Il y a 500 ans, Hernán Cortés débarquait avec quelques bateaux et une poignée d'hommes, quelques conquistadors, et allait petit à petit coloniser, annexer et rayer de la carte à tout jamais la civilisation aztèque. Et pour prendre le contre-pied de cette date anniversaire que je trouve un peu triste, et ben justement, ce que je disais auparavant, j'ai décidé de absolument pas aborder et de l'évoquer dans mon récit. Je tourne le dos à cette date anniversaire, si tu veux. Mais ce qui est marrant, c'est que mon album sort effectivement pile pour les 500 ans de cette triste date. J'ai décidé de choisir cette époque et cette civilisation, parce que je dirais que les deux vont de pair. Je pense que le choix, même si mon premier album donc, se passait dans un Japon médiéval fantastique. Alors là, ça se passe chez les Aztèques, c'est moins fantastique, puisqu'il n'y a que quelques touches de fantastique, et encore, tout est relatif. Et les deux civilisations peuvent sembler très différentes l'une de l'autre. Or, je pense que même si, effectivement, d'apparence, on voit les kimonos amples des samouraïs, et là, ils sont plus en pagne avec quelques plumes. On peut se dire que c'est deux civilisations très, très différentes. Mais je dirais qu'il y a des similitudes. La similitude, pour moi, c'est deux civilisations que j'appréciais, ou que j'apprécie énormément. Je voue une vraie fascination pour ces deux civilisations. Et je dirais que le point commun, c'est l'extrême raffinement et l'extrême violence qu'il y a en même temps et qui se mêlent dans ces deux civilisations. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, dans des récits, pouvoir passer en quelques fractions de seconde d'une sorte de grande poésie à une grande violence. Et ces deux civilisations me le permettaient. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la civilisation aztèque, on a souvent des images qui nous viennent assez rapidement. Le côté des sacrifices ritualisés, le sang, ce genre de choses. Et c'était un terreau fertile pour mon histoire, justement. Mais... j'avais le choix parce que je voulais vraiment faire un récit qui se passait dans l'Amérique précolombienne. J'avais le choix avec les Mayas, avec les Incas, mais je pensais que les Aztèques étaient encore plus extrêmes quelque part. C'est une civilisation qui a duré très peu de temps, maximum 260 ans avant de s'éteindre. Et c'était un peuple radicalement tourné vers la guerre, la conquête eux-mêmes. Et c'était Ouais, le contexte était parfait par rapport à l'histoire que je voulais aborder, mon polar. Je pense que souvent, pour parler du présent et du futur, je pense que le passé est parfait, justement, parce qu'il n'est pas direct. Il prend moins les gens de face. Et je pense que par rapport justement à toutes les problématiques du présent, eh ben souvent il faut se tourner vers le passé. Le passé n'est pas une réponse parfaite et automatique, mais j'aime beaucoup justement faire des analogies entre le passé et notre présent. C'est-à-dire que par exemple, sans dévoiler trop mon histoire, une très grosse partie de mes trois albums se passeront dans le passé d'un de mes personnages, où il se rappelle ses années où il était dans une école du peuple. Voilà. Et cette école, je l'aborde avec des caractères, il y a plein de ses camarades, et j'essaie de coller le maximum, de faire des parallélismes avec aussi nos années qu'on a pu passer chacun dans nos écoles modernes. Donc je pense tout à fait que je me sens très à l'aise
d'aborder déjà dans l'histoire, mais sans le grand H, mais le contextualiser dans le passé. Je me sens à l'aise avec ça et je ne sens pas du tout de décalage. Et j'essaye de le dépoussiérer, en tout cas. Et j'ai l'impression que, justement, ça répond à des problématiques qu'on se pose encore à l'heure actuelle, quoi. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, parce que ça me permet de me détacher et pas prendre des problématiques en face et de les aborder avec peut-être justement un peu plus de détachement. Je me sens à l'aise avec cette période-là, en tout cas. Et pour ce qui est du futur, à savoir par exemple des récits de science-fiction ou ce genre de choses, je les apprécie, mais j'ai par exemple beaucoup de difficultés à lire de la littérature parce que me projeter dans l'espace, etc., me met vraiment mal à l'aise. Alors là, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Donc, je suis plus à l'aise avec le passé que finalement avec le futur. Voilà. Donc, des récits de science-fiction, pour l'instant, j'en fais pas un deuil. Peut-être qu'un jour, j'aborderai ces problématiques ou je me projetterai dans le futur. Ça m'amuserait beaucoup, mais ce n'est pas encore le cas. Comme je partais sur un univers très différent de celui de Hoko, dans le sens où, ça y est, j'étais chez les Aztèques, je voulais pas non plus tout bouleverser. Ouais, je voulais avoir quelques repères, quoi. Quelques paramètres, déjà. Les lecteurs qui m'ont suivi sur Hoko aimaient le style graphique que j'avais abordé. Je trouvais que c'était trop tôt pour leur proposer quelque chose d'autre. Donc j'ai joué à la marge sur ce style graphique-là en question. À savoir, j'ai simplifié certaines choses, comme les pupilles des yeux. Je voulais vraiment des pupilles noires pour aller plus vite, pour être un peu moins complexe. J'ai volontairement, parfois, traité des visages de façon un peu plus caricaturale pour qu'on reconnaisse un peu plus mes personnages, parce qu'ils sont sur trois époques différentes. Il faut vite les reconnaître, donc je les ai typés. Donc je dirais que c'est à la marge que j'ai joué. Sinon, j'ai essayé quand même globalement de garder le même style. Je n'exclus pas pour la prochaine série, mais elle va arriver dans quand même pas mal de temps, un moment peut-être de vraiment me remettre en question à ce niveau-là et de faire évoluer ou carrément renverser la table. Mais là, pour l'instant, je peux me tromper, mais je sentais que c'était bien que je reste encore un peu sur ce style-là. Ouais, dans la première interview, je venais d'attaquer la conception où j'étais sur les prémices de ce nouvel album. J'avais pris de nouvelles résolutions, parce que je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu sur les 62 pages de mes derniers Hoko, où j'attaquais l'album de façon chaotique, c'est-à-dire toutes les planches en même temps. Et suivant mes envies, mes volontés du moment, mon instinct, l'énergie, je prenais des bouts de planches, des bouts de cases que je décidais avant de switcher, de passer sur quelque chose d'autre. Donc là, j'avais pris la résolution d'avancer de façon chronologique, c'est-à-dire de la première page à la page 180, et de me forcer chaque fois de finir une planche avant de passer sur une autre planche. Bon, c'était une belle résolution, elle a tenu 4 planches. Et au bout de 4 planches, je suis retombé dans les travers de cette méthodologie chaotique que je voulais mettre de côté. Et donc, avec son aléa de choses positives, mais surtout aussi, c'est très casse-gueule, quoi. C'est une technique compliquée qui a ses limites, parce que on est perdu au milieu de l'océan, 180 pages où on attaque par petits bouts. Pendant très longtemps, on ne voit plus de rivage derrière soi, qu'on vient de quitter, et ni devant soi, aucune planche finie. Il y a de quoi se démotiver assez vite et avoir l'impression que l'album n'avance absolument pas. Par contre, le côté positif, dans cette méthodologie que je ne conseille quand même à personne, c'est quand même de pouvoir aborder des cases en principe avec une énergie positive, puisqu'on choisit les dessins au moment où on a l'impression qu'on a la capacité de faire un dessin qui nous... Voilà, un visage m'attire, je me dis, cette fois, c'est le bon moment, je vais le faire. Donc on a des bonnes vibrations au moment T, alors que si on prend de façon
chronologique les plages, les unes après les autres, et ben on est obligé de parfois se taper des cases qu'on ne sent pas, quoi. Et ça je l'évite, du coup. Donc souvent, on peut partir du principe, mais ça, c'est, je ne l'ai jamais vraiment vécu comme ça, que les dernières pages qu'on a repoussées, c'est celles qu'on a moins envie de faire. Mais en été, lorsque j'arrive sur les dernières planches, je n'ai jamais ressenti quand même ce côté « Ah, ce n'est pas les planches que je voulais dessiner, je les avais mis sous le tapis. » Non, c'est le bon moment pour les faire, elles aussi. Voilà. Mais par contre, effectivement, ce vœu pieux n'aura tenu que 4 planches. Alors, pour rebondir sur les 4 planches, ce chiffre évoque aussi une autre méthodologie qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de la conception de cet album. Parce qu'il y a un tout petit peu plus d'un an, je suis tombé malade, sérieusement malade, on va dire, et j'étais alité pendant presque 2 mois, où je ne bougeais plus et j'étais vraiment pas bien du tout. Déjà, c'était un moment où, depuis quelques mois, j'avais les prémices de cette maladie. Et ça faisait très mauvais ménage avec l'album la pression de l'album. Et donc, pendant très longtemps, pendant pas mal de semaines, pas mal de mois, j'ai commencé de plus en plus, avec les nuages noirs qui me tournaient au-dessus de la tête, à envisager le fait d'abandonner ce projet, quoi, tout simplement. C'est ce qui est énorme, hein. Ça ne m'était pas arrivé. Là, c'est des questions importantes. Et ce qui m'a sauvé, je crois, fondamentalement, c'est lorsque j'ai repris un petit peu du poil de la bête, que j'allais mieux physiquement, et que je me suis remis à dessiner, j'avais toujours cette question-là. Hein. Je me disais, mais finalement, est-ce que c'est pas trop, est-ce que je ne suis pas en train de me mettre vraiment en danger ? Et au lieu de regarder toute l'immensité du travail qui me restait à faire et avoir le vertige et éventuellement me décourager définitivement, je suis parti du postulat de finir systématiquement, quoi qu'il arrive, chaque semaine, 4 planches. 4 planches et les envoyer à mon éditeur, à mon directeur de collection, Thierry Jour, que j'embrasse par là. À l'occasion. Et donc, à une exception près, pendant toute l'année, il a reçu 4 planches de ma part. Voilà. Et ça, cette rigueur-là, pas regarder, me fixer cette mission beaucoup plus courte sur le temps m'a sauvé sans doute. Et ça m'a permis d'avancer vraiment de façon pragmatique et concrète. Voilà, le chiffre 4, c'est le chiffre magique. Avec les 500, le chiffre 500, les 500 de Cortès, et le chiffre 4, les 4 planches. On est bon pour le loto. Je ne sais pas si au loto on peut jouer sur la boule 500, je ne suis pas certain. Si je devais refaire un puzzle de tout ce qui... des ressources que je peux identifier qui ont nourri le serpent à la lance, je dirais qu'au niveau historique, la lecture d'Azteca de Gary Jennings, j'espère qu'il ne m'en voudra pas que je prononce bien son nom, ça a été pour moi, quand j'avais 15 ans, une révélation, mais vraiment. La vie des hommes, illustrée par Joubert, ça a été aussi une pierre fondatrice. Des œuvres plus récentes, dans le monde de la bande dessinée, de Miton, sont des choses très importantes. Quetzalcoatl qui m'ont nourri. Ça, c'est pour tout le côté, avec Jacques Soustelle aussi, qui. Voilà, c'est toute la lecture se référant à la civilisation aztèque elle-même. Après, pour tout ce qui est fantastique ou narration, comment j'ai pu construire ce polar, mais je pense que même, c'est con à dire, mais même un personnage, même si je n'ai pas dû en lire beaucoup, mais de Sherlock Holmes, le personnage de Sherlock Holmes, forcément. Que c'est une jauge, c'est un paramètre, que j'ai un personnage qui a un grand don aussi d'observation, donc forcément il fait penser un peu, plus ou moins loin, mais à Sherlock Holmes forcément. Il y a le nom de la rose, forcément, qui m'a énormément nourri aussi, je pense. Il y a sans doute, mais même après, on peut aller chercher du Dan Simmons, tout à l'heure on en parlait, sur
peut aller chercher plein de références, je pense, et j'en oublie forcément. 20th Century Boy, je pense, la bande dessinée de 20th Century Boy, pour une raison spécifique. J'ai, inconsciemment, après, quand j'y ai pensé, je me suis dit, ah, mais ça peut y faire éventuellement penser. Après, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que je peux les identifier, mais après, on est nourri par tellement d'autres choses, et c'est là que ça devient assez incroyable et assez complexe, c'est qu'il y a plein de couches qu'on ne voit pas, des strates qui nous nourrissent petit à petit et qu'on ressort et sans forcément les identifier. Donc je pourrais pas te faire une liste exhaustive et longue, mais il y a forcément beaucoup de choses qui ont nourri ce récit-là, que je pourrais pas citer. Alors, là, est-ce que je suis un artiste ? Je me pose pas du tout la question. Ouais, d'accord. C'est toi qui me la pose. Est-ce que je suis un artiste ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot artiste, déjà ? Le problème, c'est que le mot artiste, ce que je dis souvent, c'est que je trouve qu'il a été énormément galvaudé ces dernières années. Il s'est usé, ce mot. C'est-à-dire qu'il suffit de passer dans une émission de la télé et on cite ce mot pour n'importe qui. Donc, je pense que c'est le temps qui détermine finalement quels sont les gens qui peuvent légitimement se prétendre être artistes. C'est un mot qui est lourd de sens, je trouve, trop facilement utilisé de façon légère. En tout cas, très objectivement, je suis tiraillé entre le côté artistique et le côté de l'artisan. C'est-à-dire que, tel un moine soldat, lorsque j'ai une idée d'histoire, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour la réaliser. Et là, on passe sur le côté parfois de l'artisanat, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se poser trop de questions existentielles, et parfois débrancher le cerveau, et vraiment rester sur sa planche, se cloîtrer. Et il y a forcément, en moi, je pense que c'est sans doute comme, tout à l'heure j'en parlais de Dr. Jekyll Mr. Hyde, il y a peut-être une part artistique, il y a aussi une part qui se rapprocherait de l'ouvrier ou de l'artisan, je ne sais pas. Écoute, je laisse aux gens d'en décider, c'est peut-être beaucoup plus sain. En tout cas, moi, ce qui se passe, c'est que ce qui est certain, c'est que, artiste ou pas, je m'épanouis dans ce que je fais. Voilà. C'est le principal, je crois. Voilà. Et après, advienne que pourra. Est-ce que j'aimerais que mon fils devienne auteur de bande dessinée ? Là aussi, je me pose absolument pas la question comme ça. J'arrive pas du tout à me projeter. J'arrive pas du tout. Enfin. Est-ce que j'aimerais qu'il devienne auteur de bande dessinée ? S'il arrive à prendre du plaisir, comme j'arrive à prendre du plaisir, si oui, mais il y a un tel prix à payer aussi, il y a de tels sacrifices à faire que faut vraiment avoir un état d'esprit très particulier. Je pense que mon fils est plus équilibré que je ne l'étais. Je me suis réfugié dans la valeur, dans la bande dessinée, tôt, beaucoup plus tôt, en CM2. D'ailleurs, j'ai retrouvé, si tu veux, je te montrerai. Tu bouges pas ? Vas-y. Je sors du cadre ? Entre nous, ouais, carrément. Ouais. Une BD que je faisais en CM1 ou CM2. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça, c'est. J'en avais fait d'autres. Hein. C'était des choses que je faisais comme ça. Bon. Ok. J'avais fait un truc de tunique bleue qui faisait 32 pages. Donc, voilà. Et pourquoi je faisais ça ? C'est que j'étais un enfant, pourtant j'avais une super famille, mais j'étais moins équilibré que mon fils. Donc c'est parti d'une faille en moi, et je me suis identifié par rapport à la bande dessinée, je me suis complètement dévoué à la bande dessinée. Donc voilà, ce que je veux surtout, c'est que mon fils soit épanoui, etc. quoi. Parce qu'il y avait forcément, j'associe... tout ce travail que j'ai fait autour de la bande dessinée déjà quand j'étais jeune, il y avait bien sûr du plaisir, mais il y avait aussi de la souffrance, je pense, parce que je sortais rarement, même pendant les vacances, au lieu d'aller jouer avec des copains, et tout, je restais souvent quand même seul, c'est pas très sain. Je vois que mon fils, quand même, je le trouve quand même, ouais,
plus équilibré que moi là-dessus. Donc c'est pour moi le principal déjà, c'est qu'il est justement qu'il qu'il soit mieux que son père et qu'il fasse pas les mêmes erreurs que lui. Et après, s'il veut faire de la bande dessinée, mais il dessine, il y a des moments où il s'intéresse énormément au dessin. Il aime beaucoup regarder sa mère mettre mes dessins en couleur. Il aime bien me regarder dessiner. Parfois, il dessine lui-même pas mal. Et pendant des mois et des mois, il s'arrête de dessiner. Donc, écoute, il fera bien ce qu'il veut. Le principal, c'est qu'il trouve sa voie et qu'il se fasse plaisir dedans, quoi. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que moi, ma mère était prof de dessin. Donc, dans la famille, il n'y a pas de gêne, j'y crois pas, mais il y a en tout cas une culture qui est pas mal portée sur l'image, parce que j'ai des cousines aussi, j'ai une cousine qui est illustratrice, j'ai une autre cousine qui travaille, qui fait des bijoux, notamment pour le cinéma, pour le théâtre. J'avais un grand-père qui dessinait, qui avait un bon coup de crayon, il sculptait aussi dans le bois. Donc, on voit, il y a une vraie fibre, parce que je ne vais pas faire tout l'arbre généalogique, mais il y a une vraie... Donc peut-être que Charlie aussi, lui, c'est possible qu'avec cet entourage culturel, qu'il soit mené à un moment... Mais surtout, c'est voilà, je veux qu'il ait son libre arbitre et qu'il fasse ses propres choix. Quoi. Ouais, tu veux que je te parle de Sophie que tu as interviewée ce matin? Déjà, tu as de la chance parce que c'est difficile d'avoir des images. Elle n'aime pas trop, en principe. Donc... Chapeau. Hein. Notre collaboration, sans elle, ça aurait été totalement impossible. Mais parce que, contrairement à Oko, je suis passé par des moments difficiles au niveau de la conception de cet album. Et sans elle, je ne serais arrivé à rien. Parce qu'elle m'a amené l'équilibre, elle a été de bons conseils au bon moment, et elle m'a soutenu à certains moments, notamment physiquement. Tout à l'heure, on a évoqué mon passage maladie, où pendant quelques mois, c'était sans doute pas évident. J'ai eu beaucoup plus de doutes dans toute la conception de cet album. Donc déjà, ne serait-ce que psychologiquement, je pouvais reposer sur elle à certains moments. C'était vraiment important. Et ensuite, le fait d'avoir travaillé sur Oko ensemble, sur les 5 albums, sur la couleur, on avait déjà une méthodologie. Et cette méthodologie, même si on l'a fait un petit peu évoluer, on avait une base. Donc ça nous a permis de... On ne partait pas de rien, quoi. Donc les couleurs, on a utilisé cette même méthodologie sur Le Serpent et la Lance, à quelque chose près. Elle a mis de l'ordre, notamment... Même dans mon chaos, justement. Je pense qu'elle a peut-être montré tout à l'heure, justement, toute la partie du storyboard, où c'est elle qui, quand même, a référencé pas mal, justement, pour voir où j'en étais. C'est difficile, tellement c'est encore présent pour moi. C'est difficile d'analyser. Je pense qu'elle, elle a dû faire une analyse beaucoup plus fine, mais... Ce que je peux dire, c'est que c'était énorme le travail qu'elle a fait sur mes planches pour cette mise en couleur. On s'est fait aider aussi pas mal sur les sélections par des personnes à côté. Ce qui était compliqué, c'est qu'on mange, moi, du matin au soir, je vis tout le temps dans la bande dessinée. Et elle, lorsqu'elle m'a rejoint, lorsqu'elle a embarqué, c'était il y a un peu près... Elle a dû travailler de façon au quotidien pendant plus de 6 mois sur les couleurs, voire même peut-être plus, 8, je ne sais pas exactement. Elle m'a rejoint dans ce côté-là, c'est-à-dire que pendant 8 mois, on a vécu du matin au soir pour la BD, quoi. Sans décrocher du tout. Donc on mangeait, on parlait encore du projet, on était presque allé, on décrochait forcément à un certain moment, sinon c'est invivable, mais les moments où on arrivait à s'échapper de ce côté, ce travail, cette chape de plomb, étaient rares. Donc, pendant 8 mois, on était focus sur... pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Ouais, bonjour. Eh bien, je suis Sophie Juliana, maman de 3 enfants,
Je suis graphiste depuis 25 ans. J'ai travaillé dans la pub longtemps, maintenant dans l'édition. Et je travaille sur les couleurs d'Humbert, alias Hub. Voilà, j'ai commencé à coloriser la série Coco depuis le tome 5. Et maintenant, on vient de finir le premier acte du Serpent et la Lance. Je suis née à Paris, mais j'ai vécu la plupart partie de ma vie à Lyon. Ma mère est née et a toujours habité dans le nord de Lyon, qui c'est une petite commune qui s'appelle Limonest, issue d'une famille paysanne. Et mon papa d'une famille italienne et menuisier, travaille le bois, c'est important pour moi parce que c'est quelque chose qui est lié à la matière et le papier, le bois, c'est important pour moi, c'est une matière qui respire et puis il était chef d'entreprise aussi, donc j'ai connu par mon père la gestion d'une entreprise et l'autonomie face au travail. Voilà. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué dans mon parcours professionnel puisque j'ai eu envie très très vite de voler mes propres ailes. Ouais. Voilà. Ensuite, ma petite famille, bah oui, alors j'ai une grande fille de 26 ans qui travaille dans l'image aussi, dans le cinéma, la photo. J'ai un garçon de 20 ans et qui lui ne vole pas de ses propres ailes mais qui rêvait d'être pilote et qui peut-être un jour travaillera dans ce domaine-là. Et puis j'ai un petit garçon avec Humbert justement qui a 11 ans et qui est encore toutouille de la vie. Alors, mon premier vrai job, en réalité, c'est presque mon premier job, parce que j'ai commencé à travailler très très vite. En réalité, je suis sortie du bac et je devais travailler, parce que j'ai une petite fille à élever. Et j'ai eu la chance de faire un BT dessinateur maquettiste, c'est en fait un bac un peu professionnalisant quand même. J'avais déjà un bon bagage technique qui me permettait de postuler dans des imprimeries chez des clients pour leur proposer de leur faire leur identité visuelle en fait. Donc j'ai cherché un travail en tant que salarié, puis on me disait, oulala, la petite jeune, on ne lui faisait pas confiance, on me dit, mais si tu te mets en tant que freelance, ben pourquoi pas, on pourrait essayer, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait, mon papa m'a aidé à monter ma première boîte, ma première société, et ce qui m'a permis de travailler quand même à mon compte pendant 2 ans, c'est les 2 premières années de ma vie professionnelle, et ça s'est plutôt très bien passé la première année, à tel point que j'ai même dû embaucher un commercial. Erreur de jeunesse, de gestion, etc. Je me suis fait un petit peu avaler par ce commercial. Et au final, au bout d'un an, en fait, ça n'a pas marché. ce que j'avais bien mis en place, c'est complètement cassé la figure. Et en fait, je me suis retrouvée quasi du jour au lendemain à devoir déposer le bilan, parce que c'était le moment du bilan, tout ça. Je suis allée dans une agence intérim en disant, bah voilà, maintenant j'ai une expérience de 2 ans. C'était le tout début de la PAO, donc j'avais ces compétences-là. Et on m'a dit, bah oui, il y a Spire Communication, enfin c'est un IPS imprimerie, recrute en ce moment, donc je pouvais faire un essai là-bas. J'ai fait un essai de 3 semaines, j'ai été prise et j'ai travaillé 7 ans dans cette entreprise et au service création. C'était génial, on avait une petite équipe de 4 créateurs, débiteurs d'idées, mais c'était génial, une super dynamique de... J'ai vraiment beaucoup appris à travailler dans cette entreprise, enfin dans ce service-là,
avec des gens superbes et qui m'ont appris à saisir les idées au moment où elles viennent, y aller les utiliser, à les mettre en image tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, qui m'aide encore, quoi. Ouais, enfin, je pense qu'il m'a vraiment construit dans mon travail, qui m'a permis de comme je saisissais la première idée venue, le doute n'est pas permis, quoi. Donc on y va, quoi. Et c'est bien, c'est pas bien, c'est pas grave, on le fait, quoi. Et donc voilà. Donc je travaillais 7 ans, puis après, comme c'était un groupe de presse, avec une production assez intense en fait, intensive, et puis au final c'était quand même que de la presse, et que j'avais besoin de faire des ouvrages plus luxueux, enfin plus aboutis. En fait, j'étais démarchée par quelqu'un qui m'a fait rentrer dans une agence de publicité et spécialisée quand même dans l'immobilier, l'automobile. Et donc j'ai appris d'autres choses. C'était un autre environnement. C'est une super équipe aussi. Et puis petit à petit, j'ai travaillé 5 ans, 5-6 ans là-bas. J'ai rencontré Humbert et là, je suis rentrée un petit peu dans le milieu de l'édition. Et là, j'ai vu que vraiment, c'était... Alors, l'évolution, en fait, c'est vraiment ça. C'est que j'ai commencé dans une agence de presse où on devait débiter de la créa à tire-larigot. Et j'ai été éditée à des millions d'exemplaires toutes les semaines. Et je suis arrivée dans une agence où il n'y avait plus que 4 000, 5 000, 15 000 exemplaires, voire 100 000 pour les grands budgets. Et en fait, on arrive dans l'édition où on avait donc en pub, on a des temps d'exécution allés de 1 mois, 2 mois, tandis qu'en presse, c'était une semaine, voire un jour ou deux. Et là, en édition, on a vraiment du délai, on a le temps d'approfondir les choses, de faire du travail vraiment qualitatif. Et voilà. Et donc j'ai commencé à mettre le doigt dans l'édition. Et puis les circonstances ont fait que, suite à un dépannage sur les couleurs d'Humbert sur le tome 4 de Oco, je l'ai aidé parce qu'il y avait, il y avait un problème. Et ça s'est plutôt bien passé, on a trouvé ça cool de travailler ensemble. Et puis voilà quoi. Donc tome 5, c'est moi qui ai commencé les couleurs. Et puis l'aventure a commencé, le travail avec Humbert. Voilà. Aujourd'hui, mon activité, elle est, on va dire, depuis un an, j'ai quand même vraiment resserré que sur l'édition, parce que j'ai eu envie d'arrêter la pub, ça me parlait moins, et puis aussi comme quand même les couleurs pour Oco, ça me prenait 3 mois, plus les produits dérivés, les promos, ça me prenait presque 6 mois, donc je pouvais plus dire à mes clients au revoir, quoi. Dans 6 mois, je reviens, est-ce que vous pouvez m'attendre? C'est un moment, ça devenait ingérable. Donc, j'ai pu trouver le système économique idéal, il y avait un déséquilibre. Donc, je me suis mise à développer vraiment ce que j'aimais, en fait. Parce que j'avais du mal à lâcher la pub, parce que quand même, j'étais issue de ça, et je voulais quand même garder un peu. Mais... l'édition m'apportait plus, et surtout les making-of, les carnets graphiques des éditions de luxe, le travail, la mise en page de travaux d'auteur, ça me passionne. J'ai découvert ça avec Oco, mais après Bruno Graff, je travaille beaucoup pour Bruno, les éditions Bruno Graff, et m'a confié quand même des super projets,
Donc, notamment, enfin, j'ai travaillé sur les dessins de Varanda, Alberto Varanda, sur les dessins de Béatrice Tillier, sur le dessin de Dany, sur Emmanuel Michalak avec Aslak. Là, je viens de travailler sur Le Chi de Holmes. Là, je viens de finir, aujourd'hui, un des tirages de tête des Indes fourbes de Cornido. Je dois en oublier encore quelques-uns. J'ai fait un gros Spirou, le coffret de Spirou de Schwartz, La femme léopard. J'ai fait un Conan d'Anthony Jean. Et c'est vrai que c'est ce que je préfère dans mon métier. Donc, parce que ça allie le côté artistique. J'ai l'impression de comprendre les artistes parce que je vis avec avec un auteur. Je trouve que c'est très, très attachant de faire ce travail-là, de rentrer dans le travail d'un album. J'aime bien alterner mon rythme. Ça dépend. Dans une année, en fait, je ne peux pas dire d'une journée, parce que ça dépend tellement des travaux sur lesquels je travaille. Quand je suis sur les couleurs, c'est non-stop. Je fais la même chose toute la journée. Mais quand je suis sur les making-of, les rythmes sont différents. Donc, en fait, une journée en moyenne, on va dire, quand une bonne journée, c'est d'abord me lever sereinement, d'avoir bien dormi, et puis d'accueillir mes enfants comme il faut, mais d'avoir eu le temps de se retrouver soi un petit peu avant, de démarrer une journée de façon un petit peu sereine, et puis d'avoir conscience de tout ce qu'il faut faire avant de commencer la journée. Ce qui fait que c'est se donner un but journalier qui fait que c'est moins stressant, t'as l'impression de que ça va aller, quoi. Ensuite, c'est d'aller au marché un petit peu, enfin de sortir, de prendre un petit bol d'air, d'aller prendre un café avec les copines. et puis à 9h, être devant mon ordi et puis attaquer les dossiers. Ce que j'adore, c'est il y a des moments quand je commence un travail où je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc il faut que je lise par exemple, quand je commence un carnet graphique, je lis tout le travail de l'auteur. Après, je regarde tout le matériel que j'ai, le matériel, les croquis, les dessins, tout ça. Et puis petit à petit, il y a les petites idées qui arrivent, ça s'emboîte, tu commences à faire l'inventaire de ce que tu as par page, etc. Et puis d'un coup, la ligne arrive et tu dis, tu sais comment tu vas l'aborder. Et là, une fois que tu t'as trouvé, c'est cool, quoi. C'est vraiment bien. C'est quand tu as le temps de te concentrer sur... c'est ça le luxe, quoi. C'est quand une bonne journée, en fait, c'est ça. C'est quand tu arrives à te concentrer sur chaque chose que tu fais, sans te disperser, sans être complètement envahi par 40 000 mails ou des coups de téléphone, ou voilà. Et quand tu arrives à t'isoler dans ce que tu fais... Ça te permet aussi, le fait de s'isoler, ça te permet aussi d'être bien avec les autres, je trouve, bizarrement. Et d'être bien concentré, c'est d'être efficace, et puis de trouver ses propres idées, sa propre façon de faire. Et ça, c'est très singulier, quand tu as l'impression de découvrir des choses. Enfin, de les trouver, de les sortir de toi et pas de les avoir copiés ou rester dans un confort de travail qui au final, moi, j'adore mon métier, mais si je refais les choses de façon systématique,
parce qu'il y a des délais de dingue, on reste toujours dans un confort, au bout de 6 mois, 1 an, mais je peux plus, quoi. J'ai besoin de renouveler sans arrêt ma façon de voir les choses, ouais, d'imaginer les choses. C'est ça. Une bonne journée, en fait, c'est pouvoir se concentrer et d'être présent dans chacune de mes tâches. Et relationnelles. Et voilà. Quand j'y arrive, je suis super contente. Et faire du sport, du kung fu le soir. En fait, moi, mon travail personnel, c'est d'être autonome face au matériel. Donc, moi, l'idéal, si je devais partir sur une île déserte, ben, j'irais les mains dans les poches, quoi. Et donc, les 3 outils, mais quand même, au bout d'un moment, peut-être que sur une île déserte, sans outils, sans rien, peut-être que je trouverais l'ennui, j'en sais rien. Quelque part, je peux pas dire 3 outils, je dirais des personnes. Mais j'ai envie d'être complètement autonome face aux outils, justement. Je préfère la présence humaine. Le matin, quand le réveil sonne, j'ai juste envie de me mettre le coussin sur la tête et... C'est très rare quand même que je me réveille, voilà. Mais ça dure pas très très longtemps, ce truc-là, et je me dis, si je... Effectivement, je suis très bien dans ma couette, mais en fait, je ne m'autorise pas à faire de rappel sur le réveil. Donc, je mets mon réveil de façon à ce que je me lève dans la minute. Et parce qu'autrement, je me rendors, mais pas de façon qualitative, ou alors vraiment quand j'ai besoin de sommeil, évidemment, il faut que je dorme, mais... Mais en tout cas, je me lève le matin, ben, il faut que je réveille mon titou d'être bien, je fais un peu de respiration, et puis je le réveille, et puis je vais voir s'il est bien pour aller à l'école, le préparer quand même, le mettre dans une bonne disposition pour que lui passe une bonne journée, parce que c'est moi qui vais le réveiller. Et ma plus grande réussite... je suis un peu mal à l'aise de répondre à ces questions, c'est un peu à cette question-là. Il y a des choses dont je suis fière, mais on serait tenté de dire mes enfants. En réalité, comme j'essaie toujours d'être dans le présent, quoi. J'aime pas trop regarder dans le passé, parce que je vois les erreurs que j'ai faites, et quelque chose dont j'ai pu être fière, des fois, finalement, je me dis, mais en fait, c'était pas si terrible que ça, quoi. Enfin, t'as eu une réaction bizarre là-dessus, enfin, mais pourquoi j'ai été fière de ce truc-là, voilà. Et puis, d'autres moments où je me suis trouvée, sur le moment, pas bonne, et ben quelques années après, je me dis, ben finalement, j'avais bien fait, quoi. Donc c'est compliqué de revenir, de dire, voilà, la plus grande réussite. Moi, mon gros challenge de cette année, c'était les couleurs du serpent et la lance, d'aider un maximum Humbert à finir son album, et là, je suis très fière de nous. Alors, la collaboration avec Humbert... oui, on collabore, mais enfin, c'est vraiment... c'est le projet de la famille, presque. Alors, le serpent et la lance, il est vraiment né... au Japon, en réalité, enfin un petit peu avant par les lectures, un peu par les discussions, mais Humbert a beaucoup écrit au Japon, Le Serpent et la Lance. Et donc moi je le suis quand même depuis longtemps. Donc la collaboration, c'est pas comme une commande, quoi.
Je l'aborde pas du tout comme ça. D'ailleurs, je ne fais que les couleurs d'un verre. Je me verrais pas faire les couleurs de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est plutôt un travail qu'on fait ensemble, mais de façon un peu fusionnelle. Quand je travaillais sur Oko, c'était 3 mois les couleurs. Et puis Oko était déjà installé quand moi je suis arrivée. Donc il y avait déjà la technique qui était là. Enfin, il avait établi ses couleurs. Moi j'ai fait que suivre. C'est lui qui m'a formée sur les couleurs de la BD, même si je connaissais très bien Photoshop, mais c'est pas pareil. Enfin, les couleurs, coloriser une illustration, c'est pas du tout la même chose que coloriser une BD en fait. La couleur est narrative en BD. Vraiment, elle est là pour certes pour que ça soit beau, mais c'est aussi pour aider le lecteur à s'y retrouver dans l'histoire, enfin à situer le temps, donner de la chaleur ou une angoisse, ou voilà, faire dégager des émotions. Ça sert le dessin avant tout. Donc voilà, alors moi, comme je connais très bien l'histoire, parce que je la suis à chaque étape, un verre me fait lire, le storyboard ensuite. Moi, quand j'aborde, quand il commence à me donner les premières planches des ancrages finis, ça y est, je me frotte les mains, ça y est, c'est pour moi, je vais pouvoir commencer vraiment mettre les mains dans la peinture. Même si je fais tout sur ordi, hein. je fais pas du tout de couleur directe. Et ça se passe très simplement. Oko, c'était 3 mois de couleur. Et Serpent et la Lance, 180 pages, 9 mois de couleur. C'est pas la même chose. 9 mois de couleur, une planche par jour. Et il me donne, donc moi ce que j'ai cet outil qui est, on l'a fait parce que autrement on n'allait pas s'en sortir. J'ai tout son storyboard là, j'ai fait le chemin de fer avec ses planches, les miennes, et puis normalement la validation, mais bon. J'ai pas utilisé cette case. Et en fait, parce qu'Humbert, il les donne complètement dans le désordre, ces planches. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que si j'ai pas le storyboard, pour situer le temps, c'est compliqué. Il y a trois périodes dans le Serpent et la Lance, il y a des flashbacks. Et puis il y a le passé proche et puis le présent. Donc on avait décidé à la base de faire 3 codes couleurs différents. Et puis finalement il n'y en a que 2. Et donc moi j'ai situé mes périodes sur le chemin de fer parce que comme il me donne dans le désordre pour savoir si j'ai bien mes séquences complètes ou pas. Mais des fois, j'ai les séquences, elles se complètent 3 jours avant le bouclage, quoi. Donc, voilà. Et donc ça, c'est hyper utile pour ça. Pour moi, ça a été très, très utile pour m'y retrouver en me disant, ben voilà, là, il manque deux planches de la séquence. J'aimerais bien pouvoir la finir. Parce que des fois, faut revenir un petit peu sur les planches antérieures qu'on a fait il y a 3-4 mois avant. Parce que j'avais pas projeté qu'il y allait avoir un coucher de soleil, enfin bon bref, quelques planches après, que ça va pas au niveau du temps, du timing et tout. Donc comment on collabore? On va par exemple partir sur cette planche là que je prends complètement au hasard, une scène de rêve. Moi j'ai le storyboard à la base. Enfin, je sais pas si. Ouais, je suis. Voilà.
Ensuite, Humbert, lui, quand il a fini sa planche ancrée, il me donne donc la sortie noire avec l'indication des ombres. Parce que avant, sur le coach, je ne faisais pas les ombres. Ça fait partie du dessin et je suis un peu dyslexique. Je n'ai pas forcément la même façon de voir les ombres que lui. Donc voilà. Et puis là, pour l'album, vu que c'est les ombres, il les faisait à la fin, c'était trop fastidieux pour lui, fatigué. Et 180 pages, se taper 180 pages d'ombre, c'est l'enfer. Et puis moi, en plus, ça me permet de finir ma planche comme il faut, quoi. Quand j'ai les ombres, je les finis totalement, pratiquement. Et puis, je peux gérer mes ambiances et mes dégradés à bon escient. Si j'ai pas les ombres, j'ai l'impression que jamais ma planche est finie, quoi. Donc, je suis beaucoup plus efficace en faisant les ombres. Et donc, il m'indique les ombres avec le jus, là. Enfin, le feutre, au feutre. Et puis après, je les reporte avec ma petite bambou et puis mon petit stylet. Sur Photoshop. Alors là, pas mes lunettes, mais c'est la planche 53. Voilà, on va l'ouvrir. Et on est sur cette planche. Hop. Alors là, c'est ma version à moi, c'est pas la version définitive, mais quasi. Donc, en fait, là, typiquement, on a donc là, donc moi je la reçois comme ça. Ok. Voilà. Donc là, pour info, si vous vous demandez ce que c'est, tout ça, là c'est œil lance qui fait une crise d'épilepsie. Paf, il part dans un délire. Et dans ses rêves, qui le traumatisent. Voilà. Et donc j'ai deux ambiances, une couleur un peu réaliste sur le premier strip et les deux premières cases. Et on part dans son rêve. Donc après, j'ai mis les ombres. Voilà. Et ensuite, hop. Ça c'est mon fond, hop, puis après je fais mes sélections, le ciel, après ça c'est le rêve, hop, et là je vais montrer, souvent je pars des couleurs neutres, voilà. Je la voulais un peu bleue, rappel couleur, mais comme c'est l'eau, il y a la présence de l'eau, donc je suis partie sur des tonalités de bleu-vert, et puis après je renforce petit à petit, hop, voilà, les persos. Alors, pour des questions narratives, évidemment. Œil lance pour qu'on le reconnaisse bien, parce que on le voit bébé, enfant, adulte. Ben, il est presque toujours habillé de la même manière, mais tout le monde, tous les personnages principaux, en fait, changent quasi pas de costume enfant et adulte. Hein, c'est un parti pris. C'était pour simplifier la vie des lecteurs. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans cette série. Donc après, hop, un peu plus d'ambiance, un peu plus de vert. Voilà, puis après des petits détails. Voilà, en gros, c'est comme ça, je lui rends la planche à peu près comme ça, après, la planche au final. Vous la verrez dans l'album. En fait, ce truc des couleurs avec Humbert, pour moi, c'est. En fait, c'est plus que.
c'est plus que le travail en lui-même. C'est plutôt une façon d'être sur la même longueur d'onde avec un ber, sur le même travail pendant un temps. Je trouve que ce temps-là est précieux dans la construction de notre couple. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Humbert, il est très focus sur ses travaux sur ses projets, parce que ça lui demande énormément d'énergie. Et on s'organise beaucoup autour de ce rythme-là. D'ailleurs, depuis que je suis à mon compte, on se cale, on est sur le même rythme. Avant, j'avais travaillé en agence, je ne sais pas si le couple aurait tenu, parce que faut pouvoir se comprendre, c'est des rythmes comme ça, c'est très contraignant. On n'est jamais en vacances vraiment l'été parce qu'il y a les bouclages pour Noël. Enfin, c'est très compliqué, je pense, à gérer. Et donc, à mon compte, c'est devenu beaucoup plus facile. Mais j'avais encore mon rythme de travail à moi, personnel, qui était beaucoup plus intense, enfin pas intense, mais au niveau du timing, avec des délais proches, avec un stress, et qui contrariait parfois son rythme à lui. C'est pas facile. Quand t'es en bouclage, en pub, c'est... quand lui est super concentré, qu'il veut pas lâcher sa planche, et moi que j'ai du bouclage en pub, on fait quoi les enfants, quoi. Faut manger, faut... Il y en a toute la gestion à côté. Et donc on s'organise. De travailler sur le même rythme, sur la bande dessinée, et ça simplifie bien les choses, et il y a quelque chose de fusionnel qui se passe. On danse autour de ce projet-là. Charlie, lui, il va un coup vers papa, il le regarde dessiner, il dessine avec lui à côté, après il vient à côté de moi. Il est super fort d'ailleurs pour repérer ce que j'ai oublié. Il me dit, regarde, là, il y a encore une goutte d'eau, machin. Il est super fort pour ça, donc il adore me regarder travailler. Je pense qu'il a déjà essayé d'ailleurs de coloriser certaines planches. Et même sa sœur, quand elle faisait les sélections, des fois c'est lui qui l'aidait. donc vraiment, on est vraiment qu'est-ce que ça m'apporte. Effectivement, au niveau du travail, j'ai appris plein de choses, j'adore apprendre, donc c'est super intéressant. Moi, j'adore la BD, donc enfin je lis quand même pas mal de BD, j'en lisais moins avant, mais depuis 15 ans, j'en lis pas mal. Et faire partie de cette aventure, ça, moi je trouve ça génial, d'essayer de comprendre les codes, de trouver les miens, puis de faire l'évolution des BD d'Humbert ensemble, de suivre, c'est super quoi. Franchement, artistiquement, c'est génial quoi. Ben, je dirais qu'une couleur, c'est une vibration, c'est une émotion d'ailleurs. Souvent, on les relie, il y a des symboles quoi, au niveau des couleurs quoi. Pour moi, c'est une vibration. Ah non, je ne suis pas du tout une artiste. Pour en rencontrer beaucoup, je ne suis pas une artiste, mais j'aime l'art, je fais un travail artistique, mais ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être artiste ou pas. Alors après, je suis à la Maison des Artistes, officielle, je suis une artiste, mais alors c'est du délire, c'est pas du tout ça. Humbert l'est vraiment parce que, même lui dirait que c'est plutôt un artisan qu'un artiste, Humbert invente tout quoi. Enfin, quand il est sans arrêt confronté à lui, il a son idée à raconter,
Et il trouve les solutions pour la raconter, quoi. Et tout est à créer, quoi. Moi, je ne suis pas une artiste du tout, mais j'ai un petit peu senti enfin, ce truc-là. Enfin, même si je déteste de dire je suis une artiste, tout ça. Mais n'empêche que je sens ce que peut être un artiste, dans le sens où voilà, quand je fais un travail vraiment personnel qui n'est pas lié à une commande, en fait, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Le travail de commande, c'est pas du tout la même chose que de sortir un projet personnel, une idée que tu as développée, pensée, et comment tu vas l'interpréter. Enfin, c'est des milliers de questions. Même si on s'en pose pas tout le temps de façon consciente, mais c'est une démarche. Tandis que le travail de commande, c'est répondre à une commande. Enfin, donc moi, j'ai été formée à ça par la pub, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé un projet personnel, j'étais face à ce problème, dans le sens où j'ai toujours répondu à ce qu'on me demandait de faire, en trouvant des solutions qui m'étaient propres, mais par rapport à un objectif qu'on me demandait. Quand tu as un travail artistique, un projet personnel, personne ne te demande rien du tout. Et tu as juste envie d'exprimer quelque chose. Et après, tu as des outils de prédilection, des papiers que tu as envie de toucher ou pas, ou de la peinture, ou des matériaux. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui se crée lente, enfin pour moi, de façon très lente, enfin qui se mûrit lentement, et voilà, on travaille à quel format, sur quelle matière, et t'as envie d'exprimer quelque chose, tu le fais, t'es bien dans un format, dès que tu changes de format, les problématiques sont différentes, enfin voilà, c'est une démarche artistique, mais je suis un bébé dans le domaine. C'est comparé à un ver, quoi. C'est, voilà. C'est, je grignote, je fais mon parcours artistique très lentement, au milieu d'autres travaux artistiques qui sont liés à d'autres auteurs. Alors j'ai des stagiaires de temps en temps qui viennent former, on m'a déjà proposé de former dans des écoles, dans des centres de formation. J'ai toujours refusé, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance, j'ai pas tellement confiance en moi, et je suis très autodidacte, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout si moi mes solutions de travail correspondent à un protocole ou à une espèce de méthode. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est la mienne. Ça serait très difficile de donner des conseils, de former quelqu'un dans le sens où je ne suis pas totalement convaincue de mes méthodes, parce que je les fais bouger sans arrêt. Enfin, j'ai pas de... Ouais, je suis autodidacte, quoi. Dans le sens où, effectivement, comme personne ne m'a formée, à part Humbert, sur les couleurs, j'ai trouvé mes solutions toute seule, quoi. Donc, j'ai vu personne me former, donc je ne sais pas comment on forme, quoi. Pour moi, la meilleure façon de se former, c'est de se former soi-même. Mais dans un travail artistique, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas... tu vois. Non, je... Et je ne suis pas sûre d'être super patiente, en fait. Je suis pas sûre de... Voilà, peut-être qu'un jour,
je serais moins je suis assez exigeante sur mon travail, ça m'est difficile de ne pas l'être sur le travail des autres. Et donc voilà, j'ai envie que les gens se bougent et trouvent les solutions tout seuls, tu vois, j'ai pas envie de leur dire voilà comme je fais. Il faut trouver, quoi. Il faut chercher. Quand on a envie, on trouve, quoi. Et moi, de toute façon, je suis autodidacte dans tout, en tant que maman, en tant que citoyen. J'ai quasi tout appris toute seule en regardant un peu les autres, mais voilà, de jamais de façon studieuse à l'école. Voilà, donc je suis comme ça. Et j'aime trouver les solutions toute seule. D'ailleurs, j'aime être moteur dans tout ce que je fais. Je déteste avoir l'impression de suivre quelque chose qu'on m'impose. Même dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé, si j'avais pas une certaine liberté, je pouvais pas trouver ma place. Donc, et quand j'ai pu trouver ma place, je suis quelqu'un d'entière. Si ça me correspond plus, je pars. Donc c'est comme ça. Je l'ai payé cher, hein, des fois. Vraiment. Et je suis comme ça.